Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour une semaine de vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer mes avancées tricot au fil des jours. Je suis extrêmement contente de vous retrouver. Vous avez pu voir avant, j'ai mis quelques images, nous sommes allés à Amiens ce week-end. J'ai passé un super bon week-end. Donc ça faisait un moment que j'avais dans l'idée d'aller voir Mobylaine. Elodie qui tient Mobylaine, j'avais pu déjà la rencontrer une première fois à une sorte de petite fête de la laine dans les alentours d'Amiens, puisqu'avant elle avait un camion, une mercerie ambulante, un petit camion où elle vendait de la laine et un peu de mercerie. Et donc elle se déplaçait, elle faisait les marchés et tout, et depuis maintenant elle a un atelier, une boutique atelier, elle a une boutique physique dans Amiens. Et je voulais forcément, voilà, on avait pu voir le camion, on avait pu revoir Mobylaine au Ch'ti Bazar Créatif et je voulais aller la voir dans sa boutique. Elle est ouverte en ce moment tous les samedis après-midi, donc voilà, on savait qu'elle était ouverte et on a fait la surprise d'y aller sans prévenir. Et c'était vraiment très très chouette, un très moment, très chouette moment là-bas. Et en plus on a profité de visiter Amiens parce qu'on connaissait pas du tout Amiens, on l'avait jamais vu, une très belle ville. Et pour nous qui sommes campagnards, là, je me rends compte à quel point ça fait longtemps maintenant qu'on vit à la campagne et comment on vit loin des villes et vraiment des très grandes villes comme ça. On y va très très peu, on y va très rarement. Je suis à la fois fascinée et effrayée par tout ça. Les gens qui roulent super vite en trottinette électrique, les vélos qui nous coupent. C'est ce que c'est extrêmement piéton. Amiens, on a beaucoup apprécié, le centre-ville, franchement, on fait tout à pied sans problème. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de trottinettes électriques qui vont super vite, c'est incroyable. Et puis j'étais aussi fascinée par tous les moyens de transport avec les enfants, ces vélos avec deux porte-bébés derrière, des vélos avec des espèces de petites remorques ou des petites caisses à l'avant, là. C'est fou, mais c'est chez nous, on ne trouverait pas ça parce que... ça monte et ça descend trop par chez nous, c'est toujours... Et puis en fait les distances c'est loin, moi je me vois pas aller à la boulangerie avec un vélo et des bébés dedans, c'est pas possible. On est vraiment dépendant de la voiture chez nous. Mais ouais non, c'est la ville, c'est vraiment quelque chose de très très différent de ce qu'on a l'habitude. Donc voilà, une journée comme ça c'est chouette à en profiter et je me dis clairement je saurais pas y habiter. Mais c'était super bien. Et donc on est allé chez Mobylaine, c'était trop bien, un chouette chouette moment avec Elodie. Encore merci à toi, un grand grand merci à toi pour ton accueil. Forcément je ne suis pas revenue les mains vides. Donc je vous montre son petit logo si vous ne connaissez pas. Voilà. Elle avait pas mal de choix de laine, plein de mains différentes, plein de choses que je connaissais pas, enfin, que je connais de nom mais que j'avais jamais vu en vrai et tout. Il y avait plein de choses tentantes mais il fallait se aller voir. J'ai bien craqué mais il fallait pas tout prendre, surtout que il y a des laines que j'ai vues mais j'ai pas non plus le temps de réfléchir à essayer d'associer un projet et tout ça. Donc bref, non, elle a vraiment pas mal de choix de laine, vraiment bien. Et elle fait aussi de la teinture, elle propose des écheveaux. Donc par exemple je suis repartie avec cet écheveau là. Alors j'ai déjà de la laine, hein, de Mobylaine à tricoter, j'ai le kit Equinox pour faire des chaussettes que je vais faire cet automne. Mais là j'ai celui-là, donc Twist Rabusin, 75% Merino Superwash, 25% Nylon. Et alors c'est pas un auto-rayant, ça fait des nuances tout ça. Et celui-là je vais tricoter dans pas longtemps, je sais quel projet faire, donc on en reparle tout bientôt. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoter. Mais ça... D'ici une semaine ou deux, ça sera sur mes aiguilles, je vous en reparle très vite. Elle avait la fameuse laine au nom imprononçable. Et maintenant que j'en ai dans les mains, il va falloir que je me prête à l'exercice. La Chepios. Je sais pas si c'est comme ça, mais hein, voilà. Cette fameuse laine-là. Et donc j'ai pris deux pelotes. Et là, par contre, c'est la laine à chaussettes auto-rayante. Alors j'aime bien, il y a la petite étiquette là pour... tirer facilement, commencer là. Elle est super douce, elle est vraiment très jolie, très chouette. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà, voilà. Et c'est pas extrêmement cher, j'ai plus les prix en tête, mais c'est vrai que c'était pas très cher. Voilà, c'est de la laine industrielle, mais vraiment très jolie. Et donc, je suis contente de pouvoir l'essayer. Voilà, j'avais jamais franchi le cap d'acheter de la laine, d'acheter ces pelotes-là en ligne, mais là, bah, elle en avait, donc j'ai profité. Oh, ça sent super bon. Oh, je n'avais pas remarqué dans la boutique. Ça sent bon. Donc voilà, des futures chaussettes.
J'ai pris aussi de la Bességarn de Biobalance, la Biobalance de Bességarn plutôt. J'en ai pris 4 échevaux, c'est pour me faire un top, donc ça aussi ça va être fait rapidement. Je suis partie dans ma... ça y est, je suis partie dans les tops, j'ai envie d'en tricoter. Vraiment je suis quelqu'un qui tricote la saison même, hors saison j'ai du mal. Je vais les tricoter là, je vais pas pouvoir les porter mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris ce coloris là, il y avait pas mal d'autres coloris qui étaient sympas. Mais je me suis dit que ça c'était vraiment quelque chose que j'arriverais facilement à porter. Donc ça va être un petit t-shirt, je vous montrerai bientôt aussi. Et c'est 75% laine, 45% coton, et c'est certifié organique, gosse, tout ça. Donc vraiment une chouette fibre. J'avais fait mon... je sais pas si c'est quand même pas la même couleur. Comment on appelle ça? Mon falaisia avec cette laine-là. Et peut-être un peu plus jaune mon falaisia. Mais je me demande quand même si c'est pas vraiment la même couleur. Mais c'est pas grave. Et enfin, je suis repartie avec une quantité pull de Crank Soul Baby Soft Wash. Parce qu'elle était soldée, puisque c'est la fin de gamme. Elodie m'expliquait que Crank Wool va remplacer ce fil-là par un autre quasiment similaire. Mais il y a quand même un petit changement qui fait qu'ils liquident vraiment leur fin de stock avant de sortir la nouvelle version de ce fil-là. Et elle me dit qu'il était vraiment super bien, il y a 140 mètres pour 50 grammes, donc c'est un fil sport. J'ai pris un très joli vert kaki, et ça sera pour faire le tour rose de Atelier Milly. J'ai le patron, j'avais un coup de cœur sur le patron-là, il est dans mes favoris depuis longtemps. Il n'y a pas très longtemps, une abonnée m'a très gentiment offert le patron. Finalement, ça ne sera pas un pull de printemps, ça sera plus un pull d'automne. Mais je me suis dit que ouais, dans cette couleur-là, et puis c'était vraiment l'occasion qui s'y prêtait, il se tricote en sport, et donc là, ça tombait super bien. Et en plus, c'était en promo, donc c'était chouette. J'ai pris la quantité pour faire un pull avec ce très joli fil, et puis ça me permettra de tester. Alors même si à l'avenir, cette qualité-là exactement n'est plus, sera plus disponible, elle sera quand même, je pense, assez similaire à la prochaine qui va venir remplacer cette gamme-là. Donc voilà, pour mes petits achats chez Mobilaine, c'était vraiment chouette. Elle avait pas mal de... ouais, comme je vous disais, elle avait pas mal de qualités différentes. Il y avait la Edelweiss bah, de Crank... Soul Wool, il y avait la Erika Wool qui m'a fait de l'œil. Oh voilà, ça a donné vraiment envie. Il y avait du coton de je sais plus quoi, j'ai plus son nom. Il y avait un film de coton pour des tops en déca qui avait l'air pas mal aussi, mais j'avais pas d'idée de top à ce moment-là. Non, j'ai pas pris, mais non, elle avait pas mal de choses. Donc, un chouette moment sur Amiens. On a adoré, bon, j'ai adoré ma virée chez Mobilaine, forcément, mais on a adoré aussi la ville. Et donc, au final, c'est pas trop loin de chez nous, on met un peu plus du. Une heure et demie à peu près pour y aller, donc ça va encore. Et je pense qu'on y retournera avec grand plaisir. Voilà. Donc ça, c'était pour notre week-end. Donc en fait, j'ai tricoté sur le chemin pour y aller, pour revenir, mais j'ai pas tricoté sur place. On a vraiment profité de la ville et tout. On a bien marché, bien visité la cathédrale. Oh, on n'a pas tout vu, on avait... voilà, on y retournera, c'est sûr. Et donc, le dimanche, j'ai pas énormément tricoté non plus parce qu'on avait un repas de famille. Et donc, j'ai tricoté un petit peu avant, un petit peu au soir. Mais pas. Oula, pas de. Pas, c'est pas fou. Mais j'ai quand même des petites avancées à vous montrer. Alors, cette semaine, je vais. Bon, bah, j'ai fait tomber la pelote. Je vais avancer sur mon top, sur mon t-shirt Mademoiselle Kate, de Même les anges tricotent. Alors, depuis que je vous l'ai montré la dernière fois, j'ai tricoté dessus. J'ai tricoté un peu dessus ce week-end. Hop, je vous montre. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là, donc j'ai tricoté quand même tout ça en plus. Je suis pas loin de la moitié du corps. On essaye de se... voilà, de se motiver comme on peut. Il est super agréable à tricoter, j'aime beaucoup ce motif. Très chouette. Très sympa. Voilà, donc pour rappel, le motif se tricote que sur d'un côté du t-shirt. Donc soit on le... et on peut le porter dans le dos ou devant. C'est comme on veut, c'est un t-shirt réversible. Donc on a un côté où on a, on a juste cette section-là avec qui contient un motif de dentelle et des torsades. Et après tout le reste du t-shirt est en jersey. Donc voilà, c'est vraiment très agréable à tricoter, c'est juste bien rythmé. On fait un tour de jersey, on fait un petit peu de dentelle et hop, on poursuit. Ben, non, j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à tricoter et je le tricote avec le coloris poussière d'étoile de Garance et compagnie. J'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup voir les nuances au fil des rangs. Donc c'est dans sa gamme Ginette, puisque c'est un coloris avec donc des speckles un petit peu partout.
Voilà, donc l'objectif cette semaine, bah, c'est d'avancer. D'avancer dessus, de... Ouais, je vais pas me dire je vais finir le corps parce que j'y arriverai peut-être pas, mais avancer. Avancer sur celui-là, voilà, petit à petit. Donc ça, c'est l'un des projets que je vais tricoter cette semaine. Ensuite, ah oui, deuxième ouvrage que j'aimerais, alors lui par contre j'aimerais le finir, c'est mon Lace and Fade Boxy, donc un modèle de Rory Locatelli que je tricote en duo avec Alice Is Knitting. Hop, je vous avais montré, alors j'ai rien fait depuis, j'avais fini je crois avant, à la fin du vlog, la dernière bande de dentelle en mohair. Donc ça, j'étais contente, il est fini. Il me reste plus qu'à faire la dernière rayure de couleur qui va être jaune, mais pour l'instant, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc il faut que je mesure combien j'ai de hauteur déjà là sous les emmanchures. Alors quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il est court. Mais en fait, il est tellement large et tellement boxy que forcément, l'effet d'optique fait qu'il me paraît vachement court. Mais je pense qu'il y a quand même déjà pas mal... J'ai quand même déjà tout ça sous les emmanchures. Au lavage, je pense qu'on peut étirer un peu dessus. Il est déjà long, il a déjà 31 cm sous les emmanchures. Donc en fait, moi je pensais faire ma dernière rayure aussi large que celle-là. Mais en fait, j'en suis pas sûre. Ah ouais, mais quand même que ça serait quand même logique que la dernière rayure soit de la même longueur. Faudrait que je regarde, je crois qu'elle disait, je sais plus ce qu'elle dit, il y a un certain nombre de centimètres, et puis après il faut faire les côtes. Ben, en fait, moi, idéalement, j'aimerais bien que ma dernière bande fasse autant de rang que mes autres, pour que ça soit pas choquant. Bon, voilà, toujours est-il que, donc, il faudrait que je regarde, peut-être faire la moitié en jersey, et l'autre moitié en côte, pour le bas du pull. Et après, il me restera plus qu'à reprendre, donc, l'encolure, qui est quand même vachement large, et puis les manches. Et vu la largeur du pull, on va sur des toutes petites manches à réaliser, a priori. Le dos, le devant, si j'essaye un peu de le passer en partie. Alors. Bon, c'est pas très représentatif. Je sais pas si j'arrive à passer entièrement dedans. Ah non, je perds mes mailles. Non, non, non. On ne peut pas. Non, je peux pas passer dedans. Donc l'encolure, ouais, qui aura besoin d'être serrée, mais bon, ça va bien se resserrer, je pense, avec les côtes. Il faudra que j'essaye quand même, une fois qu'il sera fini, il faudra que bien que je l'essaye pour voir. Finalement, non, c'est pas... c'est large, c'est le but, hein, mais je m'attendais à pire que ça au final. Il paraît tellement grand. Non, ouais, ça va. Bon, bref, après, il me restera plus qu'à faire des manches. Je vais faire des manches longues, parce que j'ai assez de laine pour le faire. Et que c'est un pull quand même que je compte porter au printemps, et chez nous le printemps il y a quand même pas, il fait froid. Je préfère avoir des manches longues que je relève que plutôt d'avoir des manches courtes, des manches trois quarts et je me dise j'ai froid. Parce que alors là clairement j'arriverai pas à mettre un gilet par dessus ça. Donc ça l'objectif cette semaine ça va être de le finir. Voilà, il me reste une dernière rayure, l'encolure, les manches, et il n'y a pas celui-là, il se termine. Et j'ai enfin un début de Top Tamias. Ça fait un moment que je vous en parle, hein, quand j'ai acheté la laine, quand j'ai fait l'échantillon. Et ça y est, voilà. Alors c'est un modèle de Mylène, de Folie Ordinaire, que je tricote dans la laine, dans le fil Norma de chez Langyarn. 55% coton, 35% modal et 10% viscose. Que j'ai eu à la mer sur une tasse de fil et d'aiguille. Je vous montre quoi à l'envers là, je crois. Bref, toujours et voilà, j'ai fait un premier. J'ai fait un premier devant. Je débute le premier triangle. Je sais pas si ça va. J'ai un peu peur avec la bretelle si ça se détend ou pas. J'ai pas fait peut-être pas assez. J'ai fait ce qui était préconisé. On verra. Je suis un peu, quand je fais des tops, surtout des débardeurs, j'ai toujours un peu un doute. Que les bretelles, si elles sont trop grandes, bah, les triangles vont descendre trop bas. Si elles sont trop courtes, bah, ça va pas. J'ai toujours un petit doute. Surtout que là, bah, en fait, elle nous fait faire un montage provisoire. Alors, j'ai pas trouvé de tuto dans le patron. Elle dit faites-le au crochet. J'étais recherchée ailleurs sur YouTube parce que je savais plus comment on faisait. Ça faisait longtemps.
C'est pas quelque chose ou une technique que je fais longtemps. J'ai vu une fois, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que c'est logique, c'est comme ça. Mais après, en fait, on fait les deux demi-devants et on vient reprendre déjà la bretelle. Je vais pas pouvoir essayer beaucoup avant d'être sûre, je verrai. C'est un peu ma crainte. J'ai peur d'en faire trop et que ça descende trop bas, mais j'ai peur aussi que ça soit trop court, on verra bien. Donc je le fais avec Lucie de 36-15 Kumquat. Elle a déjà fait une version, donc j'ai pu parler avec elle parce que j'hésitais entre deux tailles. Je vais prendre la plus petite des deux tailles dans lesquelles j'hésitais. Et surtout, en plus, moi, mon échantillon, il est pas bon, donc je pars sur des tailles. Je vais faire la taille 117 pour tomber sur la taille 104, je crois, de mémoire, à peu près. Et donc, bon, bref, voilà, j'ai un début, je vous en parlerai petit à petit, et j'avoue que c'est très addictif. J'aime beaucoup, là, tricoter, c'est très logique, le motif, en fait, c'est... Et on se voit avancer, et c'est vrai que j'avais envie, je me suis arrêtée parce que bah, il fallait bien que je filme, mais je me suis dit, j'ai envie de faire le premier triangle parce que ça va aller vite. Non, ouais, ça a l'air sympa à tricoter. Le fil est très agréable à tricoter, il est brillant, il est très joli. Vous pouvez pas toucher, mais il est super doux. Il est super brillant, j'aime beaucoup la couleur. Lui, il va avancer tranquillement cette semaine. Si j'arrivais à faire les devants et le dos et rejoindre en rond cette semaine, ça serait pas mal. Lucie m'a prévenu que normalement c'est hyper addictif et que ça se tricotait vite. Je tricote en 4,5, donc c'est vrai que ça monte pas mal. Mon échantillon, il a pas du tout bougé au lavage. Il est resté tel quel, il s'est pas du tout détendu. Donc à voir sur le top au complet si ça va faire pareil. Voilà pour ce début de semaine avec un petit peu tout ce que j'ai sur mes aiguilles. La semaine dernière, j'ai partagé sur Instagram un lien vers un formulaire pour me poser des questions en vue de faire une vidéo foire aux questions, FAQ. Voilà, une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Donc je vous mets le lien également sous cette vidéo-là. Donc c'est un petit formulaire Google, c'est anonyme, voilà, vous pouvez le. Il n'y a pas besoin de mettre votre adresse. Alors peut-être qu'il va vous demander une adresse mail, mais moi je ne les récupère pas. Vu que c'est lié à Google, si vous êtes sur Google Chrome, je crois que ça va se lier avec votre adresse, mais en tout cas, moi, je ne collecte rien, aucune de vos données. Voilà, moi, je reçois juste les réponses à enfin, les questions que vous me posez via ce formulaire, et comme ça, je vais préparer une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions. J'en ai déjà eu pas mal sur Instagram, mais je vous le partage ici également. Je pense que je vous retirerai encore la semaine prochaine, sauf si je vois vraiment que j'ai énormément de questions, mais histoire le temps que tout le monde ait le temps de voir et de prendre le temps si vous voulez. Voilà, comme ça je pourrais répondre à toutes les questions que vous vous posez. Moi je trouve ça toujours intéressant, j'aime bien aller voir ça chez les autres, donc je me suis dit que c'était le moment d'en faire, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà, c'était l'occasion. Je vais vous montrer mes avancées du jour. Je vais enfin pouvoir vous montrer mon jaune que j'utilise pour mon Lace and Fade Boxy. Donc vous voyez, mes couleurs de l'arc-en-ciel, version pastel. Hop, et voilà le jaune. Donc de chez Toujours Knitting for Olive, c'est le Dusty Banana, je me souviens bien de son nom. Alors j'avoue que quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue, je m'attendais à un jaune un peu plus vif. Quand j'ai tricoté le premier rang, je l'ai trouvé vraiment fade et je me suis dit, j'aime pas trop. Maintenant que j'ai fait plusieurs rangs, je trouve que voilà, il va bien dans le style avec les autres couleurs, finalement ça va. C'est pas trop mal et j'aime bien le rendu. Là j'ai fait la moitié d'une bande comme je le fais ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée et je vais faire les côtes. Alors je me suis donné, voilà, un petit objectif. Hier, je me suis dit, bah, je fais la moitié de la bande, comme pour les autres. Aujourd'hui, l'objectif du jour, ça va être de faire les côtes. Demain, ça sera de faire l'encolure, puis une manche, et puis le jour encore d'après, une deuxième manche. Comme ça, chaque jour, un petit peu, j'avance. Mais voilà, et c'est vrai, quand je regarde comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir fait la moitié de la bande, mais normalement, si, j'ai toujours fait le même nombre de rangs. Donc il n'y a pas de raison, je sais bien que normalement c'est bon, mais visuellement on dirait pas. Voilà, ça devient bon, mon Lace and Fade Boxy. Ah, je suis contente. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Donc normalement j'aimerais bien revenir demain vous le montrer avec les côtes terminées. En plus je pourrais l'enfiler pour voir un peu ce que ça donne vraiment porté. Ça serait chouette.
Je vous avais pas redit les laines, donc le mérino de Knitting for Olive et le lace de Lang Yarn que je tricote tenu en double pour que ça rende bien pour ce modèle-là. Et le deuxième encours qui avance vraiment bien, c'est mon top Tamias de Folie Ordinaire. Voilà, j'ai fait un premier triangle, j'aime énormément le rendu. Vous voyez, donc à peu près il va se porter là. Et au niveau de la taille, la hauteur, on est pas mal, je pense. J'aime bien le rendu. Donc là, j'ai le deuxième triangle qui est en cours. Ça va tellement vite, en fait. C'est incroyable. Donc là, j'ai le deuxième triangle qui est en cours. Je vais pouvoir tout bientôt... faut que je termine mon triangle, que je les rejoigne. Et après, on vient reprendre au niveau des bretelles pour faire derrière. Et alors pour le dos, il y a deux possibilités. On peut refaire des triangles comme sur le devant, où on a un dos plutôt rectangulaire, plus haut. Et moi je vais faire le dos rectangulaire. J'ai pas envie d'avoir 4 triangles, j'ai bien envie de différencier le devant du derrière, puis j'ai assez de fil. Je pense que je vais être large au niveau du fil, donc je vais faire ça. C'est vraiment très simple comme point. J'avais peur que ça demande beaucoup de concentration, mais en fait c'est super simple à tricoter, c'est répétitif, c'est logique. Ah non, j'aime beaucoup. Et le fil est super agréable à tricoter, j'aime bien. Je prends beaucoup de plaisir avec ce top. Voilà, donc lui j'aimerais bien revenir vous le montrer une fois que j'aurai fait les deux devants. Mon objectif de la semaine c'était de faire tout le haut jusque sous les emmanchures. Je pense que ça sera largement fait parce que franchement, une fois que je me mets dessus j'ai un peu de mal à le quitter. Ouais, ça va tellement vite qu'on a envie de se dire de continuer parce que ouais, on se voit vraiment avancer dessus, c'est chouette. Voilà. Pour les petites avancées du jour, j'avançais aussi sur mon Mademoiselle Kate, tranquillement, petit à petit, mais bon, y a pas, ça fait une avancée un peu moins conséquente que sur les autres ouvrages, donc je vous le remontrerai un peu plus tard. Ah oui, si, j'ai autre chose à vous montrer. J'ai bien avancé sur ma chaussette, que je tricote. Donc il s'agit des Color Palette Sock, un modèle gratuit de Laura Moura. Je vous avais quitté là, vous voyez, ça a été mon tricot pour aller à Amiens, c'était le tricot voiture. J'ai fait une rayure noire, j'ai fait mon talon à gousset, j'ai fait ici, et après je reprends la même alternance de couleurs. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Je n'ai pas eu le courage le week-end, le dimanche j'ai tricoté dessus, mais j'en ai eu marre et j'ai voulu reprendre autre chose. J'ai eu un peu de mal à me motiver dessus en ce moment. Mais bon. Ça avance, ça avance. Alors, 1, 2, 3. Normalement, selon le patron, il y a 4 bandes. Je devrais encore faire la noire et après faire la pointe. Sauf que ça, c'est quelque chose qui convenait pour mon pied. Ça allait bien. Là, je fais une taille vraiment supérieure. Donc, j'aurai certainement une rayure avec le coloris de Arco Irisian. L'un de ces coloris de Ghibli. En plus, avant de faire la pointe pour avoir la bonne longueur. Et là, avec le gousset, j'aime beaucoup le rendu. Parce que vous voyez, ici, moi, ça donne vraiment des rayures. C'est vraiment très joli. Et là, avec comme on a beaucoup plus de mailles, puisque c'est un talon à gousset et qu'on fait diminution petit à petit, ça casse un peu le rythme et j'aime beaucoup le rendu au niveau du talon. J'aime bien. Je trouve ça pas choquant et j'aime beaucoup. Donc voilà. Bon, ouais, ça serait bien que je termine la deuxième chaussette cette semaine. Histoire de commencer la première, de terminer cette chaussette-là, la première pour commencer la deuxième cette semaine. À voir. Ouais, je vais peut-être faire ça là tout de suite. Mon garçon, il est pas là. C'est le moment de le faire. Voilà pour les avancées du jour. Là pour vous le montrer parce qu'il fait chaud, mais ce matin il faisait vraiment froid, franchement il faisait froid, et j'avais donc mis mon Falaisia, le fameux Falaisia de Atelier Emily pour comparer les couleurs, parce que je vous disais, la laine que j'ai achetée chez Mobilaine, j'ai l'impression que c'est la même couleur, et je peux vous confirmer, c'est la même couleur. J'avais déjà été voir sur Ravelry, c'était le même numéro de coloris, puis il n'y a pas... voilà. Alors c'est pas le même bain, forcément c'est pas exactement la même couleur, mais bon, on est sur la même chose, hein, forcément. Comme quoi, bon bah mes goûts ils ont pas changé au fil des années. Celui-là on l'avait
Je l'ai tricoté quand... Je me souviens, on avait fait les photos de gilet quand on avait été dans les vacances dans les Vosges. Je sais plus c'était quand. On est allé dans les Vosges pendant que c'était le Covid? La première année du Covid avec le masque? Ah oui, parce qu'on avait visité un château au Königsbourg. J'ai un peu peur d'écorcher le nom, le Haut Königsbourg. Et on avait, oui, on avait dû réserver avant, il n'y avait pas eu trop de monde, c'était limité, c'était super bien. Parce que ça faisait qu'il n'y avait pas trop de visiteurs, on avait adoré cette visite-là. Ouais, donc c'était l'année de... Ça va faire 3 ans cet été. Et je l'avais, parce que je l'ai en photo, c'est les photos du camping, au camping. Donc voilà, mon falaisien. Mais je l'enlève parce que c'était juste histoire de vous le montrer. Donc c'est un gilet de Atelier Émilie, avec ce fameux raglan, hop, en dentelle. Je le trouve un peu trop large, j'aurais dû faire une taille en dessous. Mais la laine, elle est très douce et très agréable. Et donc je me dis, bon, bah la retricoter dans un t-shirt, ça va être chouette. Voilà, mais là il fait super chaud en fait. Il a fait froid toute la matinée, mais après à partir du midi et là jusqu'au soir, c'est l'été, il fait chaud. C'est l'été, c'est le jour de l'été en plus. Je viens de vous montrer mon Rokiti, tout beau, tout propre, tout lavé, bien lisse. Voilà ce que ça donne. Oh, j'aime beaucoup ces couleurs. Ah ouais, c'est tellement de saison. Je l'ai pas encore essayé. Alors je vais passer par-dessus ma robe, c'est pas ce qu'il y a de plus. Ouais, c'est pas ça. Ça va pas aller à merveille avec, mais au moins je vais me rendre compte un peu du porté. Parce que je l'ai pas encore essayé, pas du tout. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Ah, j'aime bien. Ici, ma manche, elle est plus serrée que sur ma première version. Je suis contente. Il n'y a pas d'ouverture, c'est juste bien. Voilà, j'ai de l'aisance. Mais pas trop. Ouais, non, ah, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Finalement, on voit un peu à travers, mais c'est même pas choquant, alors que j'ai une robe quand même bleu foncé. Et donc, bon, bah, je pourrais facilement le porter avec un sous-vêtement couleur chair. Ça sera pas choquant du tout, en fait. J'aime bien. Oh, je suis vraiment contente. Ah, il est beau. Voilà pour mon Rokiti. Alors, il aura sa petite vidéo dédiée, hein, je reviendrai dessus en détail, mais au moins vous avez un petit aperçu. Bon, et puis la longueur, ouais, il est vraiment déjà bien long. Il est bien long. Je l'ai épinglé. Quand je l'ai lavé, que je l'ai mis à sécher sur des tapis, je l'ai épinglé pour qu'il soit long. Parce qu'il avait l'air un peu court. Les rayures de. Les bandes de. J'ai perdu ce mot-là. Les bandes de mohair, elle faisait gondoler tout mon t-shirt, donc ouais, je l'ai étiré pour que ça se mette bien lisse, bien droit. Ici, pour que ça roulotte moins. Et donc, c'est très bien comme ça. Ah, je suis contente. Mon Rokiti, voilà. Fini tout ça, il est beau. Il n'y a plus qu'à ce qu'on prenne en photo pour les fiches Ravelry et ça sera parfait. Et à vous faire la petite vidéo dédiée aussi. Mais bon, j'ai du retard. Hein. Là, je viens de faire celle de l'Exploration Station. J'ai le gilet Elton. Et après, je pourrais passer à ça. Sinon, niveau avancé tricot, j'ai fini le corps de mon Lace and Fade. Tadam! En lui aussi, hein, il paraît. Regardez-moi ça, il fait tout l'écran. Voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai vraiment fait avec l'aisance recommandée par le patron. Il est vraiment très très large, très boxy. Voilà. Je pense que lui aussi, alors quand je vais le laver, je vais le faire en sorte qu'il s'étire un petit peu. Je pense que les rangs là de. Visuellement, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de rangs de bleu par rapport aux autres. Non, je viens de recompter mes rangs, j'ai autant de rangs qu'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi le bleu il me paraît plus grand que les autres. Ouais, non, je sais pas. C'est juste un effet visuel. Alors après, c'est pareil. Donc là, j'ai fait autant de rangs de jaune qu'ici, mais forcément les côtes. Ça, je les ai fait avec une demi-taille en dessous. Donc j'ai fait tout mon pull en 3,75. Là, je l'ai fait en 3,25. Donc forcément, c'est un peu plus court. Mais techniquement, il y a le même nombre de rangs. Voilà. Donc il me reste plus qu'à faire l'encolure, qui va être quand même assez large. Mais avec les côtes, ça va venir quand même bien resserrer un peu tout ça. Mais elle va être quand même assez large. Après, c'est un pull pour le printemps, voilà, qui se veut aérien, tout ça. Et il me reste plus que des manches. Donc ouais, bah, j'ai quand même un bon demi-bras à faire de chaque côté. Mais ouais, non voilà, avec un pantalon, j'essaie de mettre mes mains dans mes poches, mais j'ai pas de poche. Avec un pantalon, ça va être pas mal. Ouais, il est chouette. Je vais essayer de faire ce que j'ai dit, chaque jour une étape. Donc là, je pense que je vais faire la. Là, je pense que je vais faire la bande d'encolure. Voilà, je vais voir. Je verrai, je verrai. Ce serait l'objectif aujourd'hui.
La deuxième chose sur laquelle j'ai avancé, c'est mon top Tamias, sur lequel j'ai deux... j'ai deux demi-devants, comme vous pouvez le voir, et en fait j'ai le début du dos. Voilà, alors j'ai fait deux triangles identiques, je vous montre sur l'envers. Voilà, j'ai deux triangles identiques. Je vous avais dit, en fait, j'aurais pu refaire deux triangles pour le dos, mais j'ai opté pour la version... Ça me paraît large, hein, d'un coup. Hop, vous voyez, la version, en fait, ça va être comme ça. Bon, le haut du dos, il va être là-bas. Ça va être assez large, et les devants, ils seront comme ça. Bon, faut attendre que tout se mette bien. Là, c'est pas terrible, terrible, mais voilà un petit aperçu. Et au niveau là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Bon, ça devrait remonter un peu parce que c'est un peu dur de voir. Enfin voilà, j'ai fini les deux demi-devants. Je les ai rassemblés ensemble par le dos et j'ai plus qu'à tricoter le dos. Donc le dos, soit on refait les deux triangles, comme je viens de vous dire, ou soit là, moi j'ai un diagramme qui me permet de faire en forme de trapèze le haut du dos. Voilà. Donc moi j'ai choisi la version où je vais bien différencier le devant de l'arrière avec le trapèze derrière. Donc je suis mon diagramme. Et ça devrait bien se passer. Voilà, mais là je vais, ouais, je vais avancer un peu sur mon top Mademoiselle Kate. Parce que je l'ai un petit peu délaissé pour faire ça. Donc aujourd'hui c'est principalement sur ça que je vais tricoter. Et peut-être faire mon encolure de Lace and Fade Boxy. Ça m'a paru super long de faire les côtes. J'ai été beaucoup plus rapide à faire juste la moitié des rangs de ma bande en jersey. Ça a été beaucoup plus rapide que de faire les côtes. Le fait de changer à chaque fois maille en droit, maille en vert, mine de rien, ça prend plus de temps. Donc je sais pas si je vais le refaire là tout de suite, l'encolure, parce que je me rends compte quand même qu'elle est quand même grande et qu'il va y avoir quand même pas mal de mailles à tricoter au niveau de l'encolure. Voilà pour aujourd'hui. Donc on est en mercredi, il reste encore 2 jours. Donc de quoi avancer un petit peu sur tout ça. Aujourd'hui, je porte le gilet Vitamine, le Vitamine D de Heidi Karmayer. Hop, ce gilet très connu, qui se porte ouvert, qui est très joli, qui a cette forme arrondie avec tous ses jetés. Je l'aime beaucoup là, pour maintenant il est très beau. J'avais acheté de la laine au Ch'ti Bazar Créatif pour le refaire. Finalement, j'ai répondu à un test pour faire un gilet. J'utiliserai cette laine que j'ai acheté et je referai pas un vitamine D, mais bon, c'est pas grave. Au moins ça sera fait. C'est ce que je me dis. Des fois j'utilise, je réponds à un test et j'utilise de laine que j'ai en stock. Et au lieu de faire le modèle prévu, bah, j'en fais un autre, mais au moins c'est fait. Le test, ça oblige à faire, à tenir les temps et tout. Là, peut-être mon vitamine D, je l'aurais même pas fait durant l'été, ça aurait encore traîné un an. Enfin bref. Après voilà, ça reste dans le même. C'est pour faire un gilet, donc ça, je change pas trop de projet, puis au moins j'aurai quelque chose de différent. C'est pas mal quand même. Mais voilà, ça c'était pour ce que je porte aujourd'hui, mon vitamine D que je vais tricoter dans les laines de Yarn by Simone. C'était une promo qu'elle avait fait une fois et j'en avais profité. C'était pas dans mes coloris et pourtant ce bleu, je l'aime beaucoup et je le porte énormément. Vous avez pu voir avant, j'ai reçu des petits anneaux-marqueurs d'Apollonie, je reviens vous en parler après et surtout... Je suis en train de refaire le mise à jour de mon stock de laine. Alors, en début d'année, je fais ma vidéo stash, ma vidéo sur le stock de laine, parce que vous aimez voir ça. Et alors, ce que j'avais fait cette année, c'est que je l'avais répertorié dans mon carnet, le planeur créatif de Loli Lafay. Attendez, j'essaie de vous remontrer. Hop, la couverture. Voilà. Et donc dedans, vous avez plusieurs pages pour mettre son stash tricot, mais un tissu, et j'avais débordé dans le tissu, crochet, fil à broder, j'avais débordé, et après il n'y a plus de place, et en fait je ne peux plus écrire mon stock de laine. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une autre solution, et j'ai acheté, comme j'avais déjà acheté ces fiches ouvrages et chaussettes, j'ai acheté les fiches stock
de fil de chez Apolloni. Vous voyez, donc j'ai tout... Ça m'a fait quand même pas mal de fiches. Alors moi, je les imprime en plus petit. Pas en format A4, en format A5, je crois, pour que ça rentre dans mes carnets après. Et puis, j'en ai essayé une. J'avais peur que ça soit peut-être trop petit, mais non, son tableau, il passe super bien. Donc, voilà, j'ai fait comme ça. Alors, j'ai repris exactement le même stock que j'avais là, parce que je me dis, bah, c'est l'année 2023, je voudrais avoir une année globale. Donc, tout ce qui avait déjà été tricoté, je l'ai réinscrit et je l'ai surligné. Alors, je surligne de la couleur de la laine, plus ou moins. Hein. Bien sûr, il y a, ça change, ça peut changer, quoi. Mais moi, vous voyez, là, c'était mon Rokiti, je viens de le faire, je l'ai surligné. Enfin, bref, voilà, c'est pour vraiment avoir tout mon stock de l'année. Comme j'ai eu plus de pages, j'ai pu détailler certaines laines. Par exemple, j'avais mes... J'ai trois écheveaux pour faire le châle Plumpy de Andrea Mori. Ben, moi, j'avais marqué trois écheveaux. Là, j'ai pu détailler chaque... Je n'ai pas mis le nom des coloris parce que je ne l'avais pas, justement. Mais j'ai détaillé que c'était vraiment trois écheveaux séparés parce que c'est trois coloris vraiment différents. Oui, c'est ça. J'ai pas le nom des coloris là-dessus. Bon, bref. J'ai vraiment pu mieux, beaucoup mieux détailler tout ça, mes trucs. Bref, et je me suis rendu compte que vraiment... Voilà, il allait falloir un peu tricoter tout ça. Enfin bref, donc comme ça, moi là, je vais faire un nouveau carnet parce que j'utilisais un carnet un peu façon bullet journal avec celui-là. J'ai un carnet ici qui est mon carnet pour toutes mes notes de vidéo quand je fais mon montage. Et j'avais ce carnet-là qui est celui pour mes projets, tous mes projets que j'ai fait. Mais je me rends compte que j'en ai marre d'avoir trois carnets, de chercher partout, je vais tout réunir en un. Les projets, à part les tests, je ne vais rien plus mettre dedans, parce qu'en fait à chaque fois je remplis ma feuille, je remplis Ravelry, mon Ravelry est très bien à jour, et si je recherche une information, j'ai sur Ravelry, comme il y a un mode recherche, ça va beaucoup plus vite. Donc je vais garder le principe de mes fiches uniquement pour mes tests, parce que comme je ne peux pas faire de fiches Ravelry avant, ça j'ai besoin vraiment d'avoir à l'écrit. Et donc dans mon bullet journal, je retrouverai, je vais refaire un nouveau bullet journal, on va dire, avec mes notes de vidéo, mes fiches projet pour les tests, et puis le côté vraiment bullet journal, tout ça avec par exemple mon stock de fil. Voilà, ça c'était pour la petite partie paperasse. Et le carnet que je vais utiliser, ça va être celui-ci de Marie Elix, qu'elle m'a très gentiment offert il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup. Vraiment très très beau. Et je me suis dit que ça allait être parfait. Je vais utiliser ça. Et vous voyez, en fait, j'ai découpé, imprimé mes feuilles de manière à ce que ça passe dedans. Ça sera parfait. Et donc, comme vous avez pu voir juste avant, j'ai reçu la nouvelle fleur de Apolloni. Qui s'appelle, c'est une Ancoli, je ne connaissais pas, c'est vraiment très joli et j'adore son marqueur, il est super beau. Je l'ai utilisé pour le mettre sur mon top Tamias qui avance bas tranquillement. Alors vous voyez, j'ai rejoint les deux. Alors j'ai mis en attente mes mailles du triangle sur un câble là. Ceux-là, c'est ceux que mon amie Cécile m'avait offert. Ce sont les barbeurs là. C'est ça, c'est les The Knitting Barbers, les originaux. Donc je les ai mis dessus et je les ai noués là parce que ça m'avait permis de bien me rendre compte, mais ça a bougé. Voilà, ça me donnait un assez bon aperçu de ce que ça pouvait donner et j'ai un peu avancé sur le dos. Alors je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer l'envers en plus, mais c'est pas grave. Donc j'ai avancé un petit peu sur mon dos. Je vous avais montré, j'en étais là. Et donc voici le nanomarqueur. C'est trop joli. D'Apolloni, et j'en ai mis un aussi ici, c'est pour me repérer le milieu de mon dos, parce qu'il y a une symétrie en fait, droite-gauche. Et donc comme ça, ça me permet de un peu mieux me repérer, je crois pas que c'est indiqué dans le patron de mettre, de toute façon on suit le diagramme, mais je trouvais ça bien de marquer pour moi, c'est juste pour moi de marquer le milieu de mon dos. Et voilà ce que ça donne. Donc on refait les mêmes chevrons là, de maille en droit, maille en vert sur le dos. C'est vraiment sympa, moi je suis le diagramme, on n'a pas à réfléchir. Mais il y a une logique en fait, un rythme très logique. Il n'y a que là où, au milieu justement, où le motif ça se modifie. Et au niveau de la bordure aussi, où quand on recrée un motif, mais on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est vraiment, soit on suit le rang par rang, soit on suit le diagramme.
on se laisse porter, mais c'est vrai qu'à part les débuts, la fin et le milieu, entre les deux, c'est très logique, c'est toujours la même chose. Donc ça se tricote vraiment tout seul, quoi. C'est vraiment bien. Donc voilà, où j'en suis, c'est pas une grande avancée, mais ça avance tranquillement. Je vous avais dit, ouais, j'aimerais bien rejoindre le devant, ou le rejoindre en rond, là, pour cette fin de vlog, ça serait pas mal. J'ai quand même pas mal de hauteur, hein, si j'essaie de mettre, voyez, hop. J'en suis que là pour rejoindre, il y a encore quand même pas mal à faire, mais je pense que ouais, ça se tricote bien, ça se tricote vite, ça devrait le faire. J'ai vérifié à plusieurs fois, hein, d'être sûr que j'avais tout mis dans le bon ordre, pas inversé un triangle en droit, en vert, non, non, tout est bon. Parce que c'est vrai que bah, tout relié comme ça, on peut vite faire des erreurs. Je suis toujours sur ma première pelote. Alors je vais être large, hein, je pense, parce que j'ai acheté 5 pelotes. En fait, comme je mon échantillon est vraiment pas bon, je fais la taille 117 pour obtenir à peu près 104. C'est vraiment, la taille elle est fausse, mon échantillon est vraiment pas bon, mais c'était le fil que je voulais utiliser pour le faire. Et j'avais pris 5 pelotes, c'est vrai que je savais pas trop combien il allait m'en falloir. Au final, je pense que ouais, 5, je vais pas en manquer. Je reviens vite parce que j'ai oublié un truc, je me suis trompée dans mes bretelles. Moi j'ai fait... Moi j'ai fait des côtes. J'ai fait des côtes, une maille en droit, une maille en vert. Voilà, tout le long du truc. Et en fait, c'est en faisant la deuxième bretelle que je me suis rendu compte qu'en fait c'était marqué qu'il fallait la faire en jersey en droit. Et donc, entre parenthèses, elle marque alternance, un rang en droit, un rang en vert. Moi, j'ai vu le un rang en droit, un rang en vert. Dans ma tête, j'ai pensé une maille en droit, une maille en vert. Et ben moi, j'ai fait ça tout du long. C'est pas bien grave, ma bretelle est quand même assez large. Bah, de toute façon, là, ça va pas du tout rouler. Elle est... Ouais, non. Ça, visuellement, je pense que c'est pas choquant. Ça donne un petit effet quand même... de tout jersey, donc c'est pas trop grave, mais ouais, moi j'ai fait cette petite erreur là, qui est pas dramatique, hein. Après j'ai la bonne longueur en termes de centimètres, mais moi j'ai fait cette erreur là bêtement parce que j'ai lu le patron trop vite. Ça c'était pour le top Tamias. Ensuite, mon pull Lace and Fade Boxy, il a bien avancé, puisque maintenant, désormais il a une encolure, voilà. Voilà, ça resserre pas mal, hein, vous voyez, ça referme bien, ça fait propre, ça finit bien le haut du pull, et j'ai commencé une manche. Alors j'arrive pas trop à me rendre compte de la longueur de la manche, parce que quand je le porte sur moi, il arrive assez haut, mais en le lavant et le bloquant, je pense qu'il risque un peu de s'élargir, et donc j'ai peur de les faire trop longues, je sais pas. J'ai pas eu l'envie de le laver, le bloquer là, avant de faire les manches. Donc je vais voir petit à petit, je vais voir ce qu'elle, elle donne en indication, et puis voilà. Au final, j'ai pas relevé autant de mailles que ce qu'elle demandait. Parce que je vous ai dit, moi je fais genre la taille 4 pour la largeur, mais la taille 7 pour les manches, 7 ou 8. Et j'ai relevé un nombre naturel de mailles, ce qui me paraissait bien autour de ma manche. C'est pas le nombre indiqué pour la taille 7, je dois être un peu en dessous. Et mais c'est pas grave. Je pense que ça va aller très bien quand même. Je verrai, j'ai pas essayé depuis, mais moi j'avais bien de l'aisance au niveau du bras, ça posait pas de problème. Donc voilà, je me voyais pas relever plus de mailles, ça me paraissait un peu compliqué. Donc bon, j'ai fait un peu comme je le sentais. Et puis voilà, je mettrai bien toutes mes indications sur ma feuille Ravelry. Alors hier je l'ai passé, je l'ai montré à mon homme pour qu'il voie un peu, pour avoir son avis. Alors il me dit bah, qu'il aimait les couleurs, il aime le côté, donc il me dit j'aime bien les couleurs, j'aime là ces rayures là qui font un peu plus travailler et puis ça rend super bien. Mais j'aime pas la forme. Et il me l'a sorti, mais tellement ça sortait du cœur, je me suis pris un fou rire, que voilà, j'aime les couleurs, j'aime le motif de dentelle, mais la forme j'aime pas. C'est trop fort, donc non, il aime pas le côté très boxy, tout ça. Il trouve que le tombé, ça fait des arrondis, que ça remonte. Je lui dis, ouais, mais il faut attendre de voir une fois bien lavé, bloqué. Alors quand lui, il aime pas quelque chose, mon deuxième avis vestimentaire qui compte beaucoup, c'est mon plus grand, Axel, qui lui a un regard jeune et qui a pas les mêmes goûts que nous, donc j'aime bien avoir son retour à lui. Et lui, il a regardé, il m'a dit, bah si, moi j'aime les couleurs. Il aime les rayures blanches avec la dentelle et il trouve que la forme me va bien. Il me dit non, il n'y a pas de souci. Juste mon grand, lui, il me dit par contre, pas de manches. Je lui dis, bah, s'il y aura des manches. Alors il trouve que s'il y a des manches, il faudrait qu'il soit plus long. Mais je lui dis, bah, ça au lavage, je vais le bloquer pour qu'il soit un peu plus long. Ils sont d'accord pour dire qu'il est un peu juste au niveau de la hauteur. Tous les deux aimeraient le voir un peu plus long.
Donc voilà, au lavage, je vais pas hésiter à essayer de l'étirer un petit peu. On verra. L'objectif aujourd'hui, bah, ça serait de faire une manche et puis de faire la deuxième demain. Comme ça serait terminé. À voir. Et le dernier ouvrage donc, que je voulais vous montrer aujourd'hui, il s'agit de mon pull, de mon top Mademoiselle Kate. Hop là. Alors, depuis que je vous l'ai montré, j'en étais là et j'ai tricoté tout ça. Voilà. Que c'est beau. Donc bah tranquillement, j'ai dépassé la moitié du corps, donc je suis contente. Voilà, ça avance. Quand je suis dessus, je prends beaucoup de plaisir, je lâche pas. Quand je suis dessus, je tricote, j'aime énormément. J'aime beaucoup la couleur de la laine aussi avec ses speckles. Je trouve que voilà, ça, ils fonctionnent très bien ensemble, ça on voit bien le motif, donc c'est chouette. Donc tranquillement mais doucement, celui-là il va à son rythme, hein, mais il avance. Après, une fois que le corps sera fini, il va carrément aller plus vite. Quand il restera plus que le haut du corps, le haut du top à faire, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, là c'est vraiment la partie la plus longue à tricoter, mais qui avance tranquillement. Voilà, pour mon top Mademoiselle Kate, je vous le remontrerai à la fin de la semaine pour voir où j'en suis. Mais ça avance bien. Ah, c'est vraiment joli cette dentelle. Elle se révélera bien au moment du lavage, du blocage. Mais là c'est déjà joli. Voilà, pour aujourd'hui, on a fait le tour de mes encours. Ça y est, c'est la fin du vlog. Aujourd'hui, je porte mon Kitty, le nouveau, ma nouvelle version. Ah, et j'aime beaucoup par ses couleurs. Je suis vraiment contente d'avoir fait une taille en dessous de la première que j'avais faite. Vous voyez, j'ai encore quand même pas mal d'aisance. Hein. Il y a encore beaucoup de matière quand même. Mais franchement, au niveau de la taille, là, on est bien. Mais il fait chaud aujourd'hui pour le porter. Franchement, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Hier, il avait fait frais. Donc, c'est pour ça, ce matin, il faisait encore frais. Je me suis dit, oh, je vais le mettre, mais... Là, au fil de la journée, il fait chaud. Mais bon, je l'ai quand même gardé. Je voulais quand même vous le montrer. J'étais quand même contente de le porter. Donc, un modèle de Tanis Lavallée. Et c'est ma deuxième version que j'ai tricotée dans le cadre du cal organisé par Céline de la chaîne See You Later. Voilà, avec des laines qui m'avaient été offertes par mon amie Apolline, le Pigment and Ply. Fait les mohair et franchement je suis vraiment contente d'Hélène. Je vous en reparlerai en détail dans sa vidéo quand elle sera faite. Alors on va faire un petit point sur tous mes encours et les ouvrages terminés parce que oui je termine ce vlog avec au moins une chose de terminée. Je suis contente avec mon Lace and Fade Boxy. Oui ça y est, il a deux manches, deux bébés manches. Ah ouais, ça je l'avais remarqué, vous voyez c'est pas terrible avec le de reprendre ses mailles sur le mohair avec la dentelle. Si on étire ça se met bien la maille, mais si je lâche ça fait pas terrible là. Et en fait c'est parce que j'ai relevé mes mailles dans la dentelle, elle est vraiment sur le bord, vous voyez, du tricot, et on relève dedans et c'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique vraiment à ce niveau là. Je m'en suis mieux sortie de ce côté là. Enfin bref, c'est qu'un détail, hein. C'est qu'un détail. Donc voilà, j'ai fait mes manches, j'ai pas vrament fait ce qu'elle disait parce que j'ai fait un rang de diminution en plus. J'ai relevé un nombre de mailles entre deux tailles voilà. Elles sont un peu plus longues que ce qu'elles demandent, mais elles sont pas jusque le bras long, parce que je savais vraiment pas où aller. Mais je trouve que là, c'est pas mal. Ça fait alors, des manches 3 quarts qui m'arrivent là. Bon, bah pour le printemps, ça sera pas mal, et peut-être qu'il façon, il va peut-être prendre en largeur, je sais pas trop. Alors, mon homme, même avec des manches, il aime toujours pas. Je lui ai montré le modèle de Rory Locatelli en me disant, bah, c'est peut-être sur ma morphologie à moi que t'aimes pas. Je lui ai montré la photo. Il m'a dit non, j'aime pas. Non, il aime vraiment juste pas les trucs boxy. En fait, il aime pas quand je fais ça. Je dis, bah, ça va, je passe pas ma vie comme ça. Une fois les bras resserrés, ça lui convient mieux.
Mais bon, bref, non, il est pas fan, il est pas fan. Je vais tout de même essayer quand même au lavage de l'étirer en longueur. Je pense que ça lui fera pas de mal d'être un petit peu plus long. Pourtant, j'ai quand même 2-3 cm de plus que préconisé par le patron. Mais j'avoue qu'un petit peu plus long, ça ferait pas de mal. Mais bon, après, là, il faut encore que tout se mette bien en place, la dentelle, le mohair. Moi, je vois mon... Celui-ci, c'est vraiment bien lissé, c'est allongé au lavage. Donc je me dis que ben il n'y a pas de raison que celui-là il fasse pas la même chose. Donc voilà, je suis contente, mon Life and Fate Boxy est terminé. Cette version arc-en-ciel vous aura quand même beaucoup plu. Et moi aussi j'aime bien mettre tout le monde à la maison et le côté arc-en-ciel, c'est joli, c'est fun. Voilà, pour le printemps, ce sera un chouette pull à mettre. Ou même là, je me dis les soirées fraîches. Hop là, à enfiler rapidement au-dessus d'une petite robe quand il fait froid, quand on est sur la terrasse. Ça pourrait être sympa. Donc je vais voir pour essayer de le laver ce week-end. Vous voyez, je peux passer dans la moitié en fait du pull. Donc qu'on fasse la taille 3 ou 4, c'est la même chose. C'est 165 de tour de poitrine finie pour l'objet. La plus petite taille, c'est 148 cm. Donc voilà, à peu près 15 cm d'aisance. Je trouve qu'à ce niveau-là, de toute façon, je me dis, parce que je m'étais dit, oh, j'aurais peut-être dû faire alors, finalement deux tailles en dessous. Mais bon, même trois tailles en dessous, ça aurait fait 15 cm en moins. Oui, bon, j'aurais eu quand même ça en moins sur tout le pull. Mais bon. Ça reste un pull boxy. C'est voilà. C'est pas quelque chose que je referais pas des masses de pull de. J'aime bien, j'aime pourtant beaucoup le style, mais je crois que c'est pas quand même. C'est pas quelque chose que je referais parce que je sais par exemple que je pourrais pas le mettre au-dessus d'un manteau, je pourrais pas mettre deux gilets par-dessus si j'ai froid, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait parce qu'il est vraiment très joli. Ce modèle-là, par contre, comme je vous disais, il consomme pas énormément de laine. Donc on en a reparlé avec Alice en se disant qu'on pourrait faire des rayures plus petites en utilisant des mini de 20 grammes et faire par contre plus de rayures de celle-là. Et ça pourrait être, je pense que ça pourrait être sympa pour essayer d'économiser un peu en laine. Là, au niveau du rose, comme on l'utilise. En le haut, on utilise quand même plus pour le haut, il y a l'encolure et les manches. J'ai entamé ma deuxième pelote. Voilà, j'avais prévu deux pelotes et j'ai bien entamé la deuxième pelote pour le faire. Voilà. Il n'y a que pour le haut du pull où il faut vraiment il faut partir sur une idée d'un écheveau complet. Parce que ça passe pas du tout dans 50 grammes. Alors, comme je me suis quand même beaucoup concentrée sur lui pour le finir, j'ai pas avancé énormément sur le reste. Donc je crois que par exemple mon Mademoiselle Kate, depuis que je vous l'ai remontré, non c'est ça, il n'a pas avancé. C'est tout, hein, il avancera donc davantage la semaine prochaine, parce que j'ai quand même un ouvrage en moins, ça va quand même mieux avancer. Non mais c'est pas mal, je viens de regarder, j'ai quasiment 20 cm de pull. Donc moi je vais faire, donc ouais non j'ai dépassé la moitié. Ouais, voilà. Franchement, l'objectif la semaine prochaine, ça serait de finir le corps et d'arriver sous les emmanchures, ça serait vraiment bien. Ouais, histoire de quand même de bien avancer dessus, puis qu'il soit terminé. J'ai hâte de le voir fini, j'ai hâte de voir ce qu'il va remporter et tout. Non, ouais, il me fait très envie ce modèle-là. Donc bon bah on poursuivra la semaine prochaine. J'aime beaucoup. Et donc pour rappel, hein, j'utilise les petits anneaux marqueurs que m'a envoyé Julie à Polonie, ces petites fleurs du mois. Et donc, ensuite, l'autre ouvrage qui a quand même avancé. Alors, je vous avais dit, je pensais rejoindre tout sous les emmanchures. Bon, bah, c'est pas le cas. On peut pas tout faire. Voilà mon top Tamiya. Tamiya, je sais jamais. Hein. Hop, donc c'est surtout sur le dos que j'ai avancé. Et voilà ce que ça donne le dos. Donc, moi, je le fais le dos droit. Vous voyez qu'il part un peu en trapèze, hein, parce qu'on a les augmentations ici. Donc ça, c'est vraiment comme si c'était le triangle. Hein. On a, hop, si je vous mets là le triangle, ça part vraiment pareil, sauf que ben forcément, hop, là on a tout ça en plus au niveau du dos. Mais on voit que le triangle il se redessine dans le dos. Donc je vous l'avais montré. J'en étais là avec ma petite fleur, mon encolie de ce mois-ci. Autant sur mon Mademoiselle Kate, c'est le lilas du mois dernier et là l'encolie de ce mois-ci. Donc toujours d'Apollonie, j'en étais là, donc j'ai quand même tricoté tout ça. Ça avance, moi je suis le diagramme, parce que ça me parle bien le diagramme.
J'ai encore à peu près 20 rangs à faire et j'en serai au même niveau que les devants et après je vais rejoindre en haut. Alors quand je regarde comme ça me paraît un peu grand. J'espère que ça va aller. Alors après ça a été le souci de mon échantillon, il était vraiment pas bon. On verra. On verra bien, je sais pas si j'essaierai. Ouais, j'essaierai peut-être de le passer une première fois quand je vais tout rejoindre en haut. Parce que si vraiment il est trop grand, ça sert à rien que je m'obstine à aller plus loin sur le top, hein. Autant recommencer tout de suite. Donc là j'ai tricoté une pelote, j'ai commencé la deuxième tout juste, vous voyez, hop, j'ai fait mon changement de pelote juste là, il y a 2-3 rangs. Donc là je suis sur ma deuxième pelote. Donc bah il avance, voilà, il va avancer tranquillement. Donc ouais, j'aimerais quand même la semaine prochaine bah, tout qu'il soit rejoint en rond pour que je puisse au moins l'essayer et puis voir si au niveau de la... Parce que vous voyez, ça me paraît quand même... Je sais pas. Bon, ça c'est le dos. Ah, j'essaie de... Hop! Si je mets le dos là, j'ai l'impression que c'est fort large le dessus. J'ai l'impression que ça va être trop bas les épaules. Je ne sais pas, mais voilà. Là, ça serait complètement de ma faute parce que j'ai pas du tout choisi un fil adapté pour par rapport à ce qui était recommandé dans le patron. Donc bon. Affaire à suivre la semaine prochaine. Et le dernier ouvrage, qui n'est pas fini parce que j'ai besoin de le faire essayer avant d'être sûre de faire quoi que ce soit. Il s'agit de ma chaussette que je tricote pour mon grand. Alors je me suis rendu compte, alors donc dans les couleurs palettes socs de base ici, la bande blanche elle se fait en côte 1-1 semi-torse. Et j'ai en comparant avec ma version à moi, le fait de faire des côtes, ben oui, alors moi les côtes, je voyais toujours, j'ai toujours bien vu que ça réduit en termes de largeur, ça resserre, mais ça resserre aussi en termes de hauteur. La chaussette, là, en étant, quand je l'ai mise à côté de la mienne, on a le même nombre de mailles, donc la largeur, elle n'a pas changé, mais par exemple, la tige, celle-ci, elle est plus grande, puisque là, j'ai fait que du jersey, donc en fait, ça prend plus de place, et le pied est plus long aussi. Moi, sur ma version à moi, j'avais fait les 4 rayures comme préconisé, j'avais fait les côtes semi-torse ici, j'avais fait la pointe qui était dans le patron, il me semble. Ouais, j'ai fait la pointe du patron qui est assez courte, toute petite. Là, je sais que je vais faire sur une pointe classique pour qu'elle soit bien grande et que ça passe bien, mais je n'ai pas fait de rayures en plus parce que quand je compte le nombre de rangs que j'ai fait là, ah bah, je suis à peu près au même nombre de rangs que j'ai pu faire sur ces autres chaussettes. Quand je la pose, moi quand j'ai essayé mon pied, j'ai essayé, moi je l'ai essayé la chaussette, mes orteils ils dépassent à peine de là. Donc c'est qu'elle est vraiment déjà grande. Donc j'attends en fait, je vais essayer ça à monsieur ce week-end pour qu'il me dise, pour qu'on voit sur lui, parce que j'ai commencé à faire la pointe, à refermer, à faire les diminutions. Hop, voyez. Mais je préférais avant de vraiment la finir, de lui essayer à monsieur pour voir. Comme ils ont à peu près la même pointure. Ça devrait. Voilà, ça va être ma référence. Donc peut-être qu'elle sera finie ce week-end. Voilà, on va essayer, puis on va voir ça. Et puis bon, bah, l'objectif, ça sera de faire la deuxième à l'identique. Mais j'aime beaucoup en tout cas ces rayures. Bon, ça fait Halloween, hein, mais c'est chouette. C'est sympa, c'est très joli. Voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Donc j'ai fini mon lesson Facebook, si c'est une bonne chose de faite. Je vais poursuivre la semaine prochaine sur les encours que j'ai pour bien avancer dessus avant de commencer autre chose. Et ensuite, j'ai 2 tests à mettre sur mes aiguilles, mais je vous en reparlerai au moment venu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci énormément de l'avoir regardée, de laisser des messages pour tous vos partages, pour tous vos pouces en l'air à chaque fois. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent sur la page Ko-fi, qui soutiennent la chaîne via Ko-fi, via des petits cafés symboliques. Grand, grand merci à vous. Et donc, bah, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!